les amis, suivez-moi pour les actualités. Dans cette chaîne, on va parler sur tous les actus de vos stars préférées. Alors n'hésitez pas de liker, abonner dans ma chaîne. Grosse force à vous, les gars. À cause de Boba, j'ai plus de placement de produits. Je ne vois pas travailler jusqu'à 64 ans. Je veux la retraite à 50 ans. Il faut taxer les riches. Normalement, j'en aurais rien à faire parce que je faisais de l'argent et j'étais riche. Mais aujourd'hui, je dois travailler et je me vois pas travailler jusqu'à 64 ans, Macron, la vie de ma mère. Donc maintenant, ça me regarde. À cause de Boba, j'ai plus de place. Un truc, hein, quand je rentre à Miami, je vais aller voir Booba. Parce que moi, je connais son adresse. Je connais son adresse, donc je vais aller devant chez lui et je vais faire ce que j'ai à faire. Famille, je vais faire un peu de sous, après je vais pouvoir prendre mon billet d'avion pour Miami. J'espère que ça va bien se passer. C'est Bidadi en colère contre Booba. Il a lui envoyé un autre message. Rien ne va plus entre Cop et l'influenceur C'est Bidadi. En effet, le candidat de télé-réalité a fait des révélations dans un live sur TikTok sur sa situation financière compliquée à cause de Booba, la lutte de Cop contre les influenceurs et les fraudes sur les placements des produits. La dénonciation de Booba commence à avoir de plus en plus d'impact. Il y a quelques heures, C'est Bidadi assure dans une autre session TikTok qu'il va aller chez Booba à Miami pour régler ses comptes avec lui. Un truc, hein, quand je rentre à Miami, je vais aller voir Booba. Parce que moi, je connais son adresse. Je connais son adresse, donc je vais aller devant chez lui et je vais faire ce que j'ai à faire. Voilà. Et si je vais en prison, je vais en prison. C'est comme ça. J'ai plus rien à perdre, j'ai tout perdu de toute façon. Qu'est-ce que je vais perdre de plus? Qu'est-ce qui va m'arriver de pire que ce que j'ai aujourd'hui? Ah, mais c'est vrai ou pas, la famille? Abonnez-vous au maximum, abonnez-vous au maximum, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Les gars, abonnez-vous s'il vous plaît. On s'abonne, la famille, on donne la force. On donne la force au maximum. Les gars, je vais vous dire un truc. Je vais vous dire un truc. Booba, il m'éteint pas en une seule main. Booba, je vais vous dire un truc. Il a des jambes de coq. Il a des jambes de coq. Un truc, hein, quand je rentre à Miami. Au premier jour de travail, là j'ai un taf pendant 3-4 jours, la famille, je vais faire un peu de sous, après je vais pouvoir prendre mon billet d'avion pour Miami. J'espère que ça va bien se passer. Bon les gars, voilà, je viens d'arriver, ça s'appelle le West, 1 rue Jean Mermoz, dans le 8ème. C'est bien prestigieux, la famille. La vie de ma mère, c'est un vrai travail. Je vais travailler au West, un restaurant bar chicha les plus hype de Paris, dans le 8ème arrondissement, 1 rue Jean Mermoz. J'ai la chance, depuis que je suis RSA, de peut-être retrouver un travail. On va voir comment ça se passe en cuisine, la famille. En tout cas, j'ai de la chance. Ça y est, je vais enfin bosser. Les gars, j'ai une chance énorme. J'ai une chance énorme, la famille. J'ai une chance énorme. Bon, allez, je m'occupe. Je fais tout ça en live TikTok, la famille. Je vais travailler pour la première fois de ma vie. Alors, qu'est-ce que vous pensez, les amis? Dis-moi dans les commentaires et n'hésitez pas de liker et abonner dans ma chaîne. Grosse force à vous, l'équipe.